Bonjour, 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 bienvenue sur l'Amour en Soi TV. La vidéo d'aujourd'hui porte sur l'esprit de gratitude. Comment cultiver l'esprit de gratitude? La gratitude, c'est tout simplement cet état dans lequel on est plein de reconnaissance pour tout ce qu'on a dans la vie, hein, pour le souffle de vie, pour le fait que chaque jour, on peut se lever en bonne santé et profiter des joies de cette existence. C'est tout simplement ça, la gratitude. Cultiver l'esprit de gratitude consiste à se mettre dans cet état où tout est émerveillement, tout est... On trouve tout complètement parfait. On se dit que tout ce qui vient à nous est pour notre bien. Hein? Je crois que c'est dans les Écritures que c'est dit que tout ce qui arrive concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. On s'entend bien que Dieu, c'est l'univers, c'est la vie, c'est tout ce qui nous permet. Hein? C'est cette force supérieure qui nous donne la vie. Donc, cultiver l'esprit de gratitude, c'est quoi? Cultiver l'esprit de gratitude, c'est savoir reconnaître que quel que soit ce qui se passe dans notre vie, ça nous prépare à quelque chose de meilleur, à quelque chose de merveilleux. Récemment, on m'a donné un diagnostic qui aurait pu effrayer plus d'une personne. Mais personnellement, je ne l'ai pas pris comme ça. Pour moi, c'était, je me suis dit, waouh, très intéressant. On m'invite encore à plus de foi. La vie m'invite à avoir encore plus de foi et à exprimer encore plus de gratitude. Et quand on est dans l'esprit de gratitude, qu'est-ce qui se passe dans notre vie? Malgré, moi, ce qui se passe, qu'on qualifie de négatif, pour moi, c'est des ombres. Malgré les ombres qui peuvent entourer tes désirs, tes aspirations, tes rêves, tes projets, tu sais que tu es dirigé, guidé, pas à pas, vers ta destination. Et ta destination, c'est quelque chose de merveilleux. C'est une vie tout simplement extraordinaire. C'est une vie à laquelle tu sais au fond de ton cœur que c'est cette vie que tu as appelée à vivre. Et c'est ça, quand tu es dans l'esprit de gratitude, tu sais avec certitude dans ton cœur, en communion avec le divin, que ça va se passer tel que c'est prévu dans le plan divin. Et c'est pour cela que tu es dans la gratitude. En plus, la gratitude a deux fonctions. Non seulement, ça te permet d'être en complicité, de rester en complicité avec le divin pour goûter à ses joies, aux joies qu'est cette merveille, qu'est l'abondance divine. De plus, la gratitude t'empêche, t'évite de cultiver le doute, d'avoir des pensées morbides, d'avoir des pensées de crainte, de peur. C'est ça, ce sont les deux fonctions de la gratitude. Donc, pour résumer, cultiver l'esprit de gratitude te permet d'être seulement dans cette complicité avec le divin pour bien goûter à sa grâce qui descend sur toi, mais ensuite, ça t'évite les pensées de morbides, les pensées de doute et tout ce qu'on peut craindre dans la vie. Donc voilà, je t'invite tous les jours à te montrer reconnaissant, à te montrer plein de gratitude pour tout ce que tu as déjà et pour tout ce qui s'en vient.
Voilà pour aujourd'hui. Je te remercie d'avoir regardé cette vidéo. On se retrouve une prochaine fois pour un autre épisode de l'Amour en Soi TV. Bye bye.